Bonjour à tous, on se retrouve sur Gesso Gaming et pour la suite de l'épisode, enfin pour la suite du gameplay de Dragon Age Inquisition. Donc on était là la dernière fois sur mon petit rocher. Voilà, donc on s'était reposé, on avait construit le camp, on avait fait le plein des potions. Donc voilà. Par contre, inspecter les réquisitions. Il faut toujours du bois, la haine d'agneau, ok. Équiper les potions, c'est bon. Changer de compagnon, voilà, ça je voulais faire. Alors, je vais... D'accord, excusez-moi, j'ai ma malade qui s'est cassée la gueule. Donc j'ai Cassandra, j'ai Solas et j'ai Varric. Moi, Cassandra, elle me saoule. Voilà, Claire, elle me saoule. En fait, j'ai encore que cela. Attends, si je mets tout supprimé. D'accord, ok. Ok, bon, bah, en fait, je croyais avoir de nouveaux compagnons, mais en fait, non. En fait, non. Donc, de toute façon, je vais faire option. Journal. Maître de l'écurie. Voilà. Parce qu'à la base, moi, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'étais par là. Alors. Donc, on doit aller par là. Rien à signaler, noble dame. Ok, c'est cool. Allez, c'est parti, les gars. Déjà, je sais pas si vous entendez, moi j'entends déjà les chevaux. Il y a un truc qui brille là-bas. C'est un petit titille. Allez bien voir ce que c'est, moi, tiens. Alors. Ah non, c'était pas des chevaux, c'était. Ah si, c'était les chevaux. Et les buffs aussi. Avec une magnifique clôture qui ne sert strictement à rien. Il y a un tête de mort là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qui a planté un crâne ici? Et dans quel but? Les oculariums servent à localiser les éclats disséminés dans le monde de Tedas. Lorsqu'un ocularium ne peut plus en repérer, il cesse de briller. Utilisez R pour regarder aux alentours et construire sur un éclat pour le marquer sur votre carte. C'est ça à faire, je pense. Il y a un éclat là-bas. Il y a un éclat là. En fait, il y en a 5, on est rendu à 2. 3. Faut quand même aller doucement. 4. Bon bah il est où le cinquième? Là. 5. Ok. Donc on a les 5. Alors. Bon, les Elfidés, on connaît. Et du coup en fait... On devrait explorer les lieux. Tout à fait. Il y a un éclat. Truc que le crâne nous a indiqué. Ma foi, pas inquiétant du tout. L'autre, il doit être là-haut, forcément. On monte comme ça. Ah, tu peux monter, ouais.
Mais qu'est-ce que tu viens m'attaquer, toi, sérieusement? Fils de pute, là. Ah, je l'ai pas vu venir, quoi. Ah, je dis, je l'ai vu venir. Mais un peu trop près, on va dire. Là, je m'y attendais pas du tout, quoi. Non, mais franchement. Maintenant, il y a un ours. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Attaquez ma cible. Ah, je suis trop loin. Là, je fais rien, j'ai l'impression, quoi. Voyons, vous voyez un peu comme je suis pas efficace du tout. Oh, putain, je suis mort en plus. Je suis mort. Hop là, on va faire le tour. Tu peux monter, s'il te plaît. Putain. Mais monte, sac à merde. Putain, je suis remorte. Ah, c'est bon. Allez. Putain, on est que sur un ours quand même, hein. Je viens de dire. Comme quoi, c'est bien quand même les arbalètes, hein. C'est tranquille. Mais le temps que c'est, putain, sérieusement. Ça vaut le coup quand même parce que. Allez, ça va être bon. Oh la vache. Putain. La peau d'ours. Pff, misère. Il reste combien de potions? Ah, il en reste plus que deux. Chouette ça. Alors, on va retourner au camp. Hein. Je sais même plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà on va prendre lui, on va lui donner un peu de potion parce que voilà, je vais en garder une parce que franchement on sait jamais, mais c'est quand je vois j'arrive même plus à monter parce qu'il y a un bélier, il y a un ours, enfin hein, voilà, c'est quoi le prochain? Bosquet du bélier mort. Déjà juste le nom donne vachement envie, ça explique peut-être pourquoi on se fait attaquer tous les 5 matins. Ah, quelque chose à lire. Comme d'hab. Voilà. Et obtenir éclat. Bon bah y'a rien de plus hein. Ouais non, on va peut-être pas faire le con hein. On va peut-être pas faire le con. On va descendre. Hop. Et on va aller voir Denette. Denette ou Dené, je sais même pas. Le maître de l'écurie. Le maître de l'écurie de Golafroy. Il y a un point d'interrogation, je viens de savoir ce que c'est. Le maître palefrenier. Attendez, hein, y a beaucoup de choses à faire. Hein, donc... Déjà, on va fouiller. Il y a l'éclat. L'inquisition pourra peut-être nous éclairer sur la nature de ces objets. Pourquoi vous dans les pattes? S'il y a quoi que ce soit, adressez-vous au maître. Ah, c'est toi le maître. S'il y a quoi que ce soit, adressez-vous au maître. T'es belles armes, ce con. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je trouve qu'il a de belles armes.
A tout ça, doigt d'agile ou outil de qualité. Ok, dommage. Bon, bah, pour la énième fois où je le dis, on va aller voir des nets. Bonjour. Alors, c'est vous, l'Inquisition. Il paraît que vous essayez de rétablir l'ordre. Il était temps que quelqu'un s'y mette. Par contre, je n'aurais jamais cru que ce serait une grosse brute comme vous. Je m'appelle Dennett. J'ai servi le Jarl Eamon pendant 30 ans comme maître palefrenier. Il paraît que votre inquisition a besoin de monture. En effet. C'est exact. Vous pouvez nous aider? Pas pour l'instant. Vous croyez vraiment que je vais envoyer une centaine des meilleurs chevaux de Ferelden sur la route comme on enverrait une simple lettre? Tous les bandits d'ici à Dars seraient attirés comme des mouches par le miel. Vous aurez ces montures quand je serai sûr qu'elles ne finiront pas en radeau. Je vous pose un problème. J'accepte, mais si on a eu le temps, c'est idiot. Je vous pose un problème. Si vous avez quelque chose contre moi, dites-le tout de suite. Quoi? Je n'ai rien contre les Kunari. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas avoir les pieds qui traînent par terre quand vous montez à cheval. Mais c'est votre problème. Ma femme Elena gère les fermes, et Bronn se charge de mes gardes. Ils vous diront de quoi ils ont besoin. En attendant, vous méritez mieux que la bête de somme ou genou cagneux qui vous sert de monture. L'Alzan là-bas, c'est un pur sang de Ferelden. Prenez soin de lui, Inquisition, et il prendra soin de vous. Ah, voilà, j'ai quand même un cheval. J'ai quand même eu un cheval. J'ai entendu ce que vous a dit mon mari. Si vous voulez ces chevaux, il faut d'abord que nos fermiers soient en sécurité dans leur champ. Les loups sont devenus enragés depuis l'apparition de la brèche. Ils pourchassent nos hommes comme des bêtes malades. Occupez-vous des loups et nos fermiers n'auront plus rien à craindre. Ces loups n'ont pas un comportement normal. Qu'est-ce qu'ils font? On a l'habitude que les loups s'en prennent au bétail. Mais il suffit de s'approcher avec une torche et une lame pour les faire décamper. Ces bêtes, en revanche, elles ressemblent aux engeances de l'enclin. Ou à ces morts qui nous ont attaqués. Elles sont possédées, ou je ne sais quoi. J'ai déjà perdu trop d'hommes à cause d'elles. Je ne veux plus qu'ils risquent leur vie. Au revoir. Bonne journée à vous. Ok, donc on fera neutraliser les loups. Ça vous dirait d'essayer un de mes parcours? Il s'agit de quel genre de course, au juste? Je vais tracer un parcours avec des piquets plantés dans le sol. Comme c'est trop étroit pour qu'on fasse la course, je vais mesurer le temps au sablier. Vous devrez terminer le parcours dans le temps imparti. Ok. Je serai bien un de vos parcours. Merveilleux. Allez chercher votre cheval. Je vais placer les obstacles. Si vous finissez dans les temps, je vous offrirai un peu de l'argent de poche que m'a donné mon père. Ce sera ma contribution à l'Inquisition. Ok, pourquoi pas. Ah, oh, ça fait plaisir. Alors, appuyez sur L3 pour galoper. Appuyez sur rond pour mettre pied à terre. Pour appeler votre monture, appuyez sur L1 pour le menu radial et sélectionnez le cheval. Ah, ok. Donc, en fait, maintenant, on aura le cheval. Voilà, on l'a en bas. D'accord. Alors, du coup... Ça, c'est pour galoper. Ok. Là, tu galopes pas dur, mon garçon, quand même. Hein. Ah, c'est parti. Merde. Attendez. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux. Ah d'accord, faut passer entre les piquets. Oh, je suis con. Ah, je crois que ça va être mort. Hein. J'ai pas compris dès le début, hein, déjà. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle va pas être piquée. Oui, c'est sûr. Je n'ai pas bien écouté la dame. Ah. J'ai pas compris, hein. Va recommencer. Yeah. Hop là. Du coup, si mes compagnons auront aussi un cheval. Le dernier parcours est toujours là, si vous voulez réessayer. Ouais, je réessaye. Eux, en fait, ils ont pas de cheval, c'est dommage.
C'est très dommage. Bon. Donc là, ce coup-ci, on a compris. Allez, c'est parti. Allez. Tranquille. On fait une belle petite balade. Ah bah tiens, je l'allais louer, tiens. C'est bon, faut qu'il vienne toujours au moment qu'il faut pas. Et voilà, tranquillou. Bravo, vous voulez faire une autre course? Vas-y. Préparez-moi le prochain parcours. Y a pas de problème. Fantastique. Allez vous mettre en selle. Je vais installer les obstacles. D'accord, le gros bug. Oh, le gros bug. Ah, c'était mignon. Allez, c'est parti. Oh, je peux pas non plus en faire 10, hein, les parcours. Je vais en faire quelques-uns, mais c'est tout. Non, on va voir que c'est sympa, hein. C'est sympa, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. C'est marrant, c'est avec la petite faille. C'est très marrant, moi je trouve. On a les loups d'un côté, la faille de l'autre, ouais, c'est pourquoi pas. Hop là. C'était le camp qu'on avait. On l'a débloqué tout à l'heure, il faut qu'on y retourne parce que du coup maintenant on a plus de potions. Comme ça on n'est pas trop loin, en plus on a eu le cheval maintenant. Tranquille. Et voilà, tranquillou, tranquillou. Ouais, elle est où le... Elle est là. Une autre course? Non, c'est bon. À plus tard. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, on va te laisser là. Ouais, je vais te laisser là, mais en fait, du coup, tu viens. Hop là. Ah non, je peux en faire d'autres en fait. Ah, je peux, bah, je sais rien, je peux en faire d'autres, mais je crois que c'est pas illimité entre guillemets, quoi, parce que bon. Là. Bon bah ce sera un épisode spécial cheval alors. Vous voulez faire une autre course? Allez, vas-y. Préparez-moi le prochain parcours. Fantastique. En même temps, peut-être qu'on gagne aussi l'expérience en cheval. En monture pour aller plus vite ou quelque chose comme ça quoi. Donc, peut-être que c'est bien aussi quoi. Dragon Age Inquisition version tada version à cheval. Ce qui m'emmerde un peu, c'est la brèche qui s'est ouverte quoi. Parce que du coup, c'est pas terrible. Vous voyez, ça me suit en plus. Enfin, j'allais la fermer bientôt, très bientôt. C'est la brèche qui m'avait cassé les couilles en plus la dernière fois. Ça se peut. Ça, il est long le parcours. Hein. Plus long que tout à l'heure déjà.
doit arriver à la fin, je pense. Hop là. C'est bon. Je n'en reviens pas. Vous avez réussi tous mes parcours haut la main. Bon, c'est bon. Alors, on a réussi tous les parcours. Non, c'est bon, c'est pas bon. Alors, ensuite, moi, je vais m'occuper des loups. Hop. Donc, journal. Merde. Pas ça le faire. Journal. Voilà, au loup. Tac. Voilà, on va aller s'occuper des loups. Et on passe au campement juste avant. Voilà. Tac. Hop, on va se reposer. Et on a fait en même temps le plein des provisions. Des potions. C'est bizarre parce que quand on monte à cheval, en fait, les personnages, enfin, les compagnons, des... enfin, sont plus là en fait. C'est bizarre, je trouve. Allez! C'est aussi loin que ça, les loups. Ravin. Non. Non, non, c'est bon, on a compris la dernière fois. On va faire un tout petit peu plus tard. Donc les loups doivent être par là. Si je comprends bien. Ouais, ils sont là-bas. Sûrement les loups dont parlait Elena. Pour une petite potion. Eh, hey, personne n'a pris de potion encore. Bien. Voilà, tranquille. Hop là. On va prendre. Elena avait raison. Quelque chose a rendu ces animaux fous. La brèche a pu les rendre fous. Ou un démon a peut-être pris le contrôle de la meute. Aller voir là-bas. Cette grotte pourrait être la tanière de nos loups enragés. Putain, vous avez vu le labyrinthe sur la carte? Vache. Attendez. Alors, toi, mon garçon. Oh putain, ça m'énerve, ils sont toujours trop loin. Tu vas attaquer là, toi aussi. Toi, tu vas attaquer lui. Hop. Juste récupérer vite fait pour donner une potion curative. Ah mais... J'ai même plus qui j'attaque, hein. C'est tellement le bordel maintenant. Ah là 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 là. Voilà, plein de petites potions. On va s'attaquer au loup. Mieux. Ah,
Allez. Mais putain, personne peut s'occuper du loup là. Franchement les gars. Bon garçon, arrête un peu tes conneries. Bon, toi, tu y arriveras pas, mais bouge ton cul! Hop là! Ah non, bordel. Attends, mais le démon, il prend quand même bien. Je suis quand j'ai pris les loups. Ok. Je me suis fait un petit peu surprendre quand même. Tu dois avouer que là, je me suis fait même beaucoup surprendre, je trouve. Prends ta toute potion. Prends ta petite potion et on y va. Cette grotte pourrait être la tanière de nos loups enragés. Je vais passer par un côté, voir. Ça, ça veut rien dire, il y a des côtés qui sont bien plus simples. Je me vois. Il retourne vite près de ses potes. Alors attendez, hop là. Alors toi, tu t'occupes de lui. Toi, tu vas t'occuper de lui. Et toi, tu vas t'occuper de lui. Ouais. Pourquoi je me sens seule? Ils sont où les potes là? Mais j'ai tous les loups à côté de moi quoi. Les autres, je sais pas du tout ce qu'ils font. Là, j'ai perdu mes potes. Clairement, c'est ça quoi. Putain. Là, clairement, j'ai perdu mes potes. Je sais pas du tout qui c'était. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Lâche. Lâche les loups. Lâche les loups. Bon, prends ta potion. Je sais pas où ils sont partis. J'avais demandé un truc tout simple. Et ben non, ils sont partis. Ils m'ont laissé comme un con. Clairement. Hop là. Bonjour. C'est un démon. C'est qui parle, quoi. Hop là. Je crois que c'est complètement mort. Ah putain. Ouais, c'est mort. De toute façon, c'était. Mais putain, pourquoi ils sont partis aussi encore à perpète les valeurs? Je sais pas, on peut pas rester encore ensemble quoi. Enfin, je sais pas. Ah, et des fois, ça me saoule. Putain. Là, je leur demande d'attaquer pourtant et tout. Je leur donne la destination et tout. Mais non, non. Ils vont attaquer ailleurs quoi. C'est dommage quoi. Franchement, on resterait soudés et tout. Enfin, voilà, il y a moyen de faire quelque chose quoi. Mais. Bon, c'est moi qui n'arrive pas à les souder, je sais pas, mais.
C'est dommage, quoi. Franchement, c'est dommage. Bon. Cette grotte pourrait être la tanière de nos loups. On y retourne. Alors. Toi. Merde. Là. Toi, du coup, tu vas t'occuper de lui. Et voilà. Hop. Ah putain. Ah ouais, non mais c'est pas possible ça. Suivant. Ah, tu prends ta situation. Et bouge un peu de là, parce que là, tu t'en prends plein la gueule, ma fille. Allez! Ah oui, d'accord. Je voulais sauter, mais en fait, tu peux pas sauter, puisque il y avait quelqu'un sauvé. Donc, je pouvais pas. Youhou! Allez, avance, putain, mais... Et en fait, je me suis renseigné en fait, pour la touche sprint. C'est vrai que je n'avais pas trouvé. Il n'y a pas de touche sprint. C'est tout bête. Il n'y en a pas. Ah, il n'y a plus de potion pour ça, c'est dommage. C'est dommage. Bon. T'as le démon, il bouge plus, hein. Faut profiter vraiment. Vas-y, vas-y. Je vais faire ça pour animer. On va ramener Cassandra. Hop là. Et soit. Allez. Voilà, tout le monde est là. Cela, c'est pour vraiment nous le. On va faire ça, voilà, le congeler. Un coup, on tape dessus. C'est parfait, quoi. Allez. Voilà, ça, c'est une belle travail d'équipe. Ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est J'imagine parfait. Que les loups sont également contents d'avoir été libérés de l'emprise du démon. Putain, on a bien chié, les mecs. Oh là là. Mais ouais, enfin, c'est un peu ma faute aussi, hein, je l'assume. Mais non, là, je suis contente quand même. Là, on a fait un beau travail d'équipe et tout. Bien. Bien, bien, bien. Alors, on va récupérer ce qu'il y a dans le coin. Hop là. Hop. Ça, c'est tous les loups que j'ai tout à l'heure. On récupère. On récupère tout, comme d'habitude. Elle fit des noms, ça je récupère. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais je pense que je verrai ça par la suite. C'est quoi qu'elle s'est récupérée? Ah, c'est en haut. C'est en haut. Comment on accède en haut? Hop. Ah là, comment on accède en haut? On va pouvoir récupérer de l'onyx.
Mais du coup... Putain, faut le trouver le coffre. Hein. Il faut le trouver. 13 de sang. Et un bâton éclatant. Il y en a qui va être content. Un petit cadeau de Noël. Voilà, voilà. C'est toujours dans les pattes et du coup, moi, je me casse la gueule. Ouais, c'est normal, vous. Moi pas. Non, les filles, j'en ai besoin. J'en ai pas besoin, justement. C'est ça que je voulais dire. Hop là. C'est quoi ça, l'onyx? Voilà. Ensuite, par là, c'est quelque chose par là. Bon, bah voilà, hein, faut qu'on a fait le tour. C'est pas intéressant. Juste remonter en fait en haut parce qu'il y a un coin, j'ai pas été. Après, on va retourner au campement un peu, dormir tranquillement. Et j'ai bien fait, il y avait un autre coffre, un autre fissure et un vita régulant du gaffe fessier. Ok. C'est toujours ça. Ok. Alors, hop. Hey, c'est pas chouette ça. Hey, nickel. Allez, garçon, on y va. Hop, informer Elena que les loups ne posent plus de problème. Elena, les loups ne posent plus de problème. Non, ça marche pas comme ça. Trop beau. On va faire un tour de toute façon avant d'aller voir Elena. On va se ravitailler un petit peu. Bon, je referme la brèche ici aussi. Allez mon garçon. Là. Hop là. Je sais pas pourquoi j'aurais fait toujours, mais je sais pas. J'aurais fait toujours voir si j'ai bien. Si j'ai bien les potions avant de partir. Juste voir par là ce qu'il y a. Ah, il y a une. Il y a une note. Une demande sincère. Perdu Truffy, truffle primé. Il s'enfuit quand même attaqué. C'est quoi un truffle? C'est un buffle? Je suppose, hein. Je suppose. Alors, qu'est-ce que nous avons là? S'il vous plaît, je vais passer. Voilà. Et puis, ben, on va aller voir Elena. Hop là. Ok, c'est pas grave. Par contre, il y a un fragment, je pense. Qui va être par là. Un fragment ou alors autre chose? Le maître veut pas que je fournisse d'armes aux réfugiés tant qu'ils savent pas se défendre convenablement. Si vous dressez quelques tours de guet, on pourra lancer l'alerte en cas d'attaque imminente. Que dois-je faire? Vous pourriez avoir une idée pour aider les réfugiés. Tout à fait. La région est trop vallonnée. C'est parfait pour les groupes de pillards et de bandits qui se rassemblent beaucoup dans le coin. J'ai marqué les emplacements sur la carte. Allez construire des tours de guet et en échange, je dirai à mon maître d'envoyer des armes à vos hommes.
Faut tout faire. Mon cheval. Ok, j'ai perdu mon cheval. C'est pas grave, je peux aller à pied, hein, je peux non plus. J'ai bien fait à pied avant. Par contre, ça me saoule en fait qu'elle peut pas sauter. Enfin, même avec le cheval, hein. Elle peut pas sauter. Il doit y avoir quelque chose ici. Occupez-vous des loups et nos fermiers n'auront plus rien à craindre. J'ai arrêté des loups, hein, c'est les bon. Les loups devraient avoir retrouvé leur état normal. Ils ne devraient plus vous poser de problème. À la bonne heure. Je vais prévenir les fermiers et annoncer la bonne nouvelle à mon mari. Ça n'a l'air de rien, mais la région avait vraiment besoin qu'on lui redonne une couleur. Vous l'avez fait, merci. Gain de niveau, je suis atteint niveau 25. Ok, puissance 1. Ça c'est formidable. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Si, le tour de guet. Mais pourquoi je vais sauvegarder? Du coup, les marches solitaires, sécurité ferme. Hop. Alors, allez, c'est parti. On va faire celui qui est en face. Je sais pas si c'est le plus près, mais ce sera le plus près pour moi. Allez. Bien. Là, tu m'attaques pas, toi, connard. Hein. Il y a un. Bien. Je peux vous foncer, c'est quoi je parle. Hop là. Mais non, mais. Nanana. Je prends la gueule. Hein. Voilà, à l'éclat. Voilà. Du coup, il faut que je monte encore plus haut. J'ai des Templiers qui se battent partout. Bon travail, Blond. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mettre un piquet. Bon, ok. Ça, c'est du bon cheval. Quoi le problème ici? Hop là, SOS, problème à la rescousse. On dit à tout le monde de partir tant que les mages et les templiers continuent à mettre le feu partout. Mais j'ai bien vu la tête que faisaient les marchands. Si on s'enfuit, ils voleront tout ce qu'on a chez nous. J'emporte mon petit projet dans la grotte des collines du Nord. Tu sais de laquelle il s'agit. Tu seras en sécurité jusqu'à ce que le calme revienne. Elsne. Bon, mais y a rien, c'est tout plus. Hop là. Alors, du coup. Je vais passer par là, de toute manière. J'ai pas le choix. Bon, on va faire ce qu'il y a là-bas, de toute façon, maintenant. On va prendre la direction. Ok, bonjour. Hop là, la maîtrise. Hop là. C'est fait. Et on repart. Je sais pas si les chevaux vont mourir ou pas. Je pense qu'ils le sauraient bien assez tôt. Bien assez tôt.
Alors, 10 pièces d'or, un bijou et une lettre. Rapportez-le, rapportez-le, rapportez-le! Et un bijou. Ok. Ok, ok. Alors, ensuite. Hop là. Partie de météor. C'est quoi ce pont mal fait? Enfin, mal fait. Mal refait, plutôt, je vais dire. Voilà. Ce pont a été détruit récemment, sans doute au cours d'un affrontement entre des apostates et des templiers renégats. Ok. Bonjour. Je vais passer par là. Allez! Allez! Juste là, on fait ce truc, je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois. Est-ce que vous pensez qu'on peut être discret avec un cheval? On va le savoir tout de suite, hein. La discrétion, elle est à pur. Au moins maintenant, quand on veut faire des trucs comme ça, eh bien, au moins on va plus vite, quoi. Voilà, au moins je suis moins obligé d'être confronté, on va dire. Parce que pour l'instant, je sais très bien que ça sert à rien, puisque je sais pas assez de level, on va dire, pour faire face. Enfin, on n'a pas assez de level pour face parce que je suis pas tout seul, j'ai aussi mes coéquipiers. Donc... Ok. Opération disponible, dresser les tours de guet. Terminer la mission tour de guet dans les fermes à l'étable de Tamajor. Elle est où la table de Tamajor aussi? Journal. Palais à Bronn. En place pour tour de guet marqué. Terminer la mission tour de guet dans les fermes à la table de Tamajor. Ça va être. Ça va être dans le camp. Ça va être dans le camp, je pense. Donc en fait, dès que je vais avoir trouvé un camp pour nous, je pense que je vais avoir le truc pour finir la quête. Vous voyez où qu'on est là? Je sais pas si vous voyez. Mais vous voyez comme quoi c'est vachement facile en fait qu'on est à cheval. Hein. Franchement. Tout est beaucoup plus simple. Hein. Mais oui, c'est uniquement pour ça. Franchement, c'est beaucoup plus simple la vie. On va moins se faire chier à marcher. Tiens, il y a un truc à droite. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le camp d'ailleurs. Je suis le caporal Bale. Merci de votre aide. Les mages et les templiers semblent se moquer des victimes collatérales de leur guerre. Les réfugiés ont grand besoin d'aide. Si la guerre ne les tue pas, c'est la faim ou le froid qui s'en chargeront. Venez l'enquête. Parlez-moi des mages, templiers, les gens ont d'autres problèmes. Quels sont les autres problèmes rencontrés par ces réfugiés? On a des blessures qui nécessitent bien plus que des points de suture et de l'elpide. Je sais que les guérisseurs manquent, mais si vous pouviez trouver quelqu'un à Golfalois pour nous aider, on pourrait sauver de nombreuses vies. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Templiers? Tous les Templiers ont été convoqués à Val-Royau il y a peu. Ces salopards ont ignoré l'ordre. Maintenant, ils s'attaquent aux mages rebelles et à tous les réfugiés qu'ils accusent de sympathiser avec eux. Tous les Templiers que j'ai rencontrés étaient des défenseurs du peuple. Ces ordures apportent le déshonneur à l'ordre. Et sur les mages?
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les mages rebelles? Les vrais rebelles sont retranchés au nord, à Golfalois, pour prendre soin des leurs. Ici, ce sont juste des apostats. Après être restés enfermés dans les cercles pendant toutes ces années, le pouvoir les a rendus. Les rebelles de Golfalois se moquent complètement d'eux. J'aimerais pouvoir en faire autant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à lutter contre le froid? J'ai demandé à l'Inquisition d'envoyer des couvertures. On aurait dit que je leur demandais un plein chariot de lyrium brut. Une recrue nommée Whittle essaie de rationner le peu qu'on a. Allez lui parler si vous avez des idées. Il est de l'autre côté de la route. Au revoir. Tu sais, je lui ai déjà parlé, il m'a dit la même chose. Alors, puissance. Stabiliser les zones en refermant les failles de l'immatériel, étendre la portée de l'Inquisition en établissant de nouveaux campements et en accomplissant des quêtes pour gagner en puissance et en influence. La puissance peut être utilisée à la table d'état-major pour organiser des opérations d'exploration qui vous offriront de nouvelles opportunités. L'influence vous permettra d'améliorer le rang de votre Inquisition et vous donnera accès à des atouts spéciaux. Ok. Et du coup... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est du coup la quête. Sécurité des fermes. Et où est l'état d'état-major alors? Vraiment pas logique d'être là en fait. Ah, j'ai un point utilisé, tiens. On va continuer par là. Parade. Dans ce mort. Et là, on a quoi? Attaque perfide. Des attaques de flanc ou à revers ont plus de chances d'être fatales. Ok, et l'autre côté. Vous bonissez de l'ombre et assénez à votre ennemi des frappes mortelles à revers. Ah, ça me plaît bien ça. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, rien. Au revoir. Rien, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Pourquoi je peux pas faire l'aventure exactement là. Ok, bon, je peux pas faire l'aventure. Bon, de toute façon, je vais changer de mission, je pense, parce que je vais m'enseigner un peu mieux sur ça. Et nous, on était sur le. On est reparti. J'en ai juste en fait ce qu'il y avait là. Ça qui n'est pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, on va monter. Et vous voyez, il y a un crâne là-haut. Du crâne en même temps, et là c'est une faille. Est-ce qu'on se la fait ou pas? Bon, on peut se la faire. Et oh, hop là! Non, mais dis donc, un petit peu comment il m'attaque ces fils de pute là. Putain, et oh. Finalement, ils en ont rien à foutre de ma gueule, mais alors là, je prends cher. Ah,
Voilà. Qui est mort ? Solas. Voilà, Solas. Je vais prendre une petite potion. Hop là. Oh merci, Solas. Hop là. Ok, j'aurais peut-être pas dû prendre mon pouvoir. Puisqu'il était déjà quasiment mort. Allez les gars, couvrez-moi. Putain, il couvre vraiment limite, hein. Putain, c'est appréciable. Ça, c'est appréciable. Allez, voilà. Ah, j'aime pas être au milieu, là. J'aime pas être au milieu. Non, ça me plaît pas, là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, même. Non, mais foutez-moi la paix. Rien à foutre. Ah, des potions. Voilà. Ah, c'est bon, on s'en occupe. C'est bon. Et on referme. Voilà. Eh bien les gars, bon travail là. C'est ça que je veux moi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop, fouiller. Hop, on prend tout. On va prendre un peu de fer. Non, ça je m'en fous. On va reprendre un peu de fer. Et du coup, je sais plus qui était le. Je crois que c'était par là, ouais. Le crâne. Allez, allez, allez. On l'encourage, ouais. Ah, c'est quoi ce bordel là ? Voilà, un peu de pièces. Hop. Et voilà. Plat. Un terrain plat. C'est trop demandé ? Il y a un problème ? Vous avez peut-être l'habitude de sillonner la campagne, vous, à cogner des dragons ou je ne sais quel passe-temps que vous pratiquiez avant. Mais moi, je suis un citadin. On a deux. Et 4. Donc il y en a un qui est juste à côté, qui est sur le pont. On va y aller vite fait. Hop. Alors, sous ou au-dessus le pont. Il a une bonne blague. Hein. On va essayer de courir à sauter, mais je le sens mal. Voilà. Je le sens très mal. On va faire le tour. C'est pas grave. Même en ruine, cette tour est impressionnante. On va aller faire un tour. Quel rêve elle renferme. On va aller faire un petit tour. Hop. Les filets. Là-bas, il y a un truc à fouiller. Les filets. Ok. Les filets, toujours. Avant les quais. Voilà. Elle fait des toujours, 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 toujours. Toujours, elle fait des. Pourquoi ma malade tremblait hein. Ah, et ça, c'est le truc. Donc, ce serait par là. Ah oui, mais comment je fais, moi? Comment je fais? Je fais le tour. Hop, hop.
C'est une question con, hein. Comment je fais? Je dois monter là, mon avis, tout simplement. Pourquoi je me prends la tête? Et pourquoi tu prends les fidèles, toi? Voilà, voilà, voilà. Ah putain, je suis sûr que tu peux le faire en plus. Allez. Des milliers de gens te regardent. Milliers de gens sont derrière toi. Allez, voilà. Vous voyez, hein, quand on leur dit les choses. Directement, ça marche. C'est là que c'est pas là. Je pète. Yes. Une recette d'armure de pierre. Confère un bonus de valeur d'armure. C'est pas mal, ça. Un beau petit coffre en plus. Bâton de feu de disciple. Voilà. Une LCD. Et là, on remonte. Pourquoi tu prends pas une potion de rester malade là? Tout c'est bon. Pourquoi tu es descendu que j'aimerais monter? Pourquoi? Des fois des choses comme ça que je ne comprends pas. Alors. Bizarrement, la descente va être plus facile. Voilà. Et puis bah c'est parti, on y retourne. Moi j'adore vraiment le sang sur les vêtements, je trouve ça formidable tout le temps. Pas parce que c'est gorin, mais parce que c'est super bien fait. Je trouve ça vraiment super bien fait en fait. Et ouais, moi aussi je peux attaquer n'importe quand. Hein? J'oublie pas quand tu m'as attaqué sur la pente. C'était pas toi, mais c'était tes frères quoi. Frères de sang. Donc là, apparemment, il va falloir chercher. Donc je pense que ça va être un certain temps, comme d'habitude. Et on a donc des combats. Alors ce qu'on va faire, on va remonter. N'y allez pas les gars. On remonte. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Hop là. C'est bon, tout le monde est là? Yes. Belle équipe de vainqueurs là. Voilà, donc en fait, on va pas y aller pour l'instant. On ira le prochain épisode. Parce que là, je pense qu'on est quand même bien rendu au... Parce que j'essaie de faire des gameplays de 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Donc là, je pense qu'on est rendu au temps, même si j'ai pas de montre sur moi. Et bah, je vous laisse là. Puis bah, la prochaine fois, on se retrouve là, au même endroit. Et du coup, on va aller s'occuper donc de la quête. Comment ça s'appelle? Victime des éléments. Voilà. Donc on va s'occuper de ça. Donc en attendant, bah, je vous dis bonne vidéo, bonne soirée à tous, et puis bah, à bientôt sur Jesso Gaming, en espérant que la playlist et les vidéos de Dragon Age vous plaisent. Voilà, donc moi je vous mets tout, de toute façon, même les fois où j'en chie, où je galère, où, voilà, je préfère tout vous mettre, au moins vous voyez vraiment ce que je vis en fait, tout simplement. Ça va me faire des montages, vous dire ouais je récite tout et tout, voilà. Moi je vais, voilà, je suis franc avec vous, voilà. Tout simplement. Et bah écoutez, on se retrouve bientôt sur Jesso Gaming alors, et puis pour le prochain épisode. Allez, bonne soirée à tous.